Ses actions d'intérêt public, l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique et son courage politique lui ont valu ce prix d'encouragement de la part de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, le CBG basé à Kinshasa. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a été honoré par ces hommes venus de la capitale congolaise ce mardi 3 août 2021. Ils ont plébiscité Fifimasu Kasaini comme étant championne et meilleur élève du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la bonne gouvernance et la rigueur dans la gestion de la chose publique. Expressement ici, nous sommes venus honorer Madame la gouverneure Fifi Masuka, parce que c'est une dame qui a excellé dans la gestion positive de la province de Lualaba. On sent que depuis qu'elle est au combat de cette province, elle s'est engagée pour la construction, la réhabilitation des infrastructures routières, portières, écoles, hôpitaux. Et puis c'est une femme de fait qui s'illustre par une personnalité, un leadership fort qui fait que tous les Lualabais aujourd'hui sont derrière elle pour pouvoir le soutenir dans cette politique idéaliste de la reconstruction de la province, une politique qui cadre avec la politique du chef de l'État. En dehors de ses diplômes, deux trophées lui ont été remis, l'un symbolisant la lutte qu'elle mène pour protéger sa province contre les détournements de fonds publics sous toutes ses formes et les coulages des recettes. Quant au deuxième trophée, c'est le symbole de l'unité et le soutien de Lualaba aux actions que Masuka Saini mène pour le développement de la province du Cobalt sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le directeur de l'OCBG, Papi Serge Makaya, s'est dit flatté par le travail abattu par l'autorité provinciale qui est un modèle pour la jeunesse congolaise et féminine en particulier, tout en demandant également à la population de la soutenir. C'est une femme qui a connu une carrière politique très fulgurante, à tel enseigne qu'aujourd'hui la jeunesse féminine congolaise l'a causée comme son modèle et elle voudrait lui emboîter les pas, devenir une femme politique comme elle, donc c'est une référence. Un diplôme de mérite de plus, Masuka Saini n'a pas caché sa satisfaction tout en tournant ce jeu vers l'avenir pour le meilleur de sa province.